c'est une PLV sur le thème de Call of Duty, puisque c'est un partenariat entre Monster Energy et Activision qui détient la franchise Call of Duty. Et donc du coup, il y a des jeux vidéo au centre, et de chaque côté, une arche et un hummer qui contient des canettes de Monster Energy, puisque le partenariat, c'est en fait, quand vous achetez une canette, sous la languette, il y a un code avec des points vous permettant d'aller plus vite dans le jeu. Cette PLV elle a été créée au niveau international entre Monster Energy et Activision. Et ensuite, au niveau de chaque pays, on a décidé des quantités. On s'est mis en relation avec Activision au niveau local pour définir le nombre de magasins et quels magasins on allait cibler. Et puis à la fin, notre partenaire qui distribue nos boissons et Coca-Cola, avec sa force de vente, a mis ses opérations en place. Le dispositif que vous voyez sur la photo, il était uniquement pour une trentaine d'hypermarchés qui avaient fait le choix de mettre un gros dispositif en avant en entrée de magasin ou en zone promotionnelle. Les shoppers passent moins de 2 secondes à regarder une PLV, donc du coup avec ça on vient attirer l'attention, ils vont passer un peu plus de temps. On a fait en sorte de faire cette PLV de façon à ce qu'on puisse maximiser le stock à l'intérieur, et donc du coup on a un très bon retour sur investissement. Alors par les shoppers déjà, ils nous ont élus sur cette catégorie, donc je pense qu'ils ont bien aimé. Et puis maintenant pour les enseignes, il y a une prime directe à l'achat, ça les intéresse. De créer l'événement en point de vente sur le thème du gaming aussi, c'est intéressant parce que les clients sont assez contents d'avoir une PLV qui est différente de la thématique Noël. C'est un secteur qui se porte bien, donc tout ce qui touche au gaming fait qu'on va vendre un peu plus, surtout quand on arrive à faire du cross-merchandising comme ici, où finalement les gens qui viennent acheter un jeu vont certainement repartir avec une canette, donc du coup on a un petit impact positif sur le panier moyen, donc c'est plutôt bien reçu par les enseignes. Merci beaucoup Mobile pour ce trophée, merci à notre partenaire Coca-Cola qui a mis ses displays magnifiques en magasin, merci à Activision pour leur disponibilité, on a pu faire vraiment quelque chose de très sympathique au niveau de la France, et voilà, merci à tous les commerciaux sur le terrain qui mettent Monster Energy en avant, à l'année prochaine pour remettre en jeu ce trophée.